Pour de nombreuses associations, Linky va connaître toutes nos habitudes en temps réel. Par exemple, à quelle heure je consomme le plus d'électricité, donc à quelle heure je me trouve chez moi. Et on ne sait jamais, ERDF pourrait transmettre ces infos à d'autres entreprises, ou même peut-être aux autorités en cas d'enquête ou. Attendez, c'est un compteur qui mesure des courants électriques et qui ne sait pas reconnaître l'électron qui vient de la machine à laver, de la télévision, de votre fer à repasser ou Oui. autre. Oui. Ce n'est qu'un compteur. Oui. Et donc nous, on n'a aucun intérêt à aller surveiller la vie des uns et des autres. Et puis là, vous avez une courbe qui vous permet de visualiser le démarrage ou l'arrêt de certaines installations. Alors là, on a un exemple, c'est on a un lave-vaisselle donc qui tourne, et puis un four qui, pour l'instant, fonctionne aussi. Attendez, c'est un compteur qui mesure des courants électriques et qui ne sait pas reconnaître l'électron qui vient de la machine à laver, de la télévision, de votre fer à repasser Oui. ou autre. Et puis là, vous avez une courbe qui vous permet de visualiser le démarrage ou l'arrêt de certaines installations. Alors là, on a un exemple, c'est on a un lave-vaisselle donc qui tourne, et puis un four qui, pour l'instant, fonctionne aussi. Mais deux bémols cependant. Le coût de ce nouveau compteur, 5 milliards d'euros, forcément reporté sur la facture, selon certains spécialistes. Et puis un compteur connecté, c'est peut-être des entraves à la vie privée. Non, répond ERDF, qui assure que toutes les données seront cryptées. The definition of a smart grid is a wireless system that will fundamentally turn every single appliance in your home into the equivalent of a transmitting cell phone. That's every computer, every television, every furnace, every air conditioner, every coffee machine, every printer, every single appliance that you have in your house will eventually, in a smart grid, have an antenna that's embedded into it that will transmit your usage data to a smart meter on the outside of your home that will then transmit your usage data to another tower receiving a usage signal that will then go to the utility company for supposedly billing purposes. Not all signals will just be about your individual use. There will be aggregate meters that will bounce signal from house to house to house within a neighborhood that will then accumulate all of the usage data that will transmit that to the utility company. Now, what that will do is that the end metering system that is transmitting all of that data will be firing an RF signal at many, many times a second, which will increase the average homeowner's radio frequency radiation exposure exponentially.